Au Somaliland, la majorité des naissances ont lieu sans aide médicale. Et le taux de mortalité des femmes lors de l'accouchement est l'un des plus élevés au monde. À l'hôpital de Bouraou, MSF prend donc en charge la maternité et la pédiatrie, tout en apportant son soutien aux autres services de l'hôpital, en collaboration avec le ministère de la Santé. J'étais enceinte de mon 8e enfant. J'ai passé 2 jours et 2 nuits en travail, mais il ne voulait pas venir. Je voyais qu'il ne sortait pas. À mon avis, le plus compliqué au Somaliland, c'est que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi il faut pratiquer une césarienne ou une extraction obstétricale. Ils ne comprennent pas pourquoi nous devons aider les femmes à accoucher. Les gens pensent toujours que l'accouchement peut se passer normalement, mais dans les faits, ce n'est pas comme ça. Après 3 jours de travail, Yasmine a pu bénéficier d'une césarienne. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à venir accoucher dans l'hôpital de Bouraou et les équipes MSF sont en train d'agrandir la maternité. En 10 mois, elles ont déjà aidé plus de 3500 enfants à venir au monde.